I'm so happy to be here, yeah. I'm just happy to be here. Still, I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage gonna be required, but I'm just happy to be here. Donc là, je suis dans la forêt du Hainan, qui est près de Pont-l'Abbé. Par là-bas, je vais vers les Trois Fontaines, et par là-bas, vers l'étang du Hainan. Donc c'est près de Pont-Aven, le village des... village, comment on peut dire, la cité des peintres. Beaucoup de peintres sont passés par Pont-Aven pour peindre la Bretagne, pour peindre les paysages notamment autour de Pont-Aven, donc le bois du Hainan, etc. Donc on va voir si ça vaut vraiment le coup d'œil. On va pas s'amuser à les peindre hein, parce qu'on n'est pas... On n'est pas un pro du pinceau. Et puis on va voir. Déjà pour le moment, j'apprécie l'endroit. Le sentier est plutôt agréable. Et en plus, j'ai vu un petit pont plutôt bucolique, comme on pourrait dire, avec un petit ruisseau. Et des rochers un peu partout. Des rochers typiquement, vous voyez, bretons. Qui font pas. Ça fait pas dolmen. Ça fait pas mégalithe. Mais presque. Regardez, c'est très joli. Bon, allez, on continue. À faire 3h, 3h30 que je marche à la louche, comme ça je dirais 3h15, et ça fait une bonne trotte déjà hein. Il fait chaud, vous avez pu voir, je suis tombé sur un mec qui arrosait sa pelouse. Je suis pas sûr qu'il respecte les restrictions d'eau, mais bon, on va pas se plaindre parce que ça m'a permis de me rafraîchir. Je l'aurais pas bu parce que je sais pas si elle est potable, mais ça... Franchement, je préfère largement me promener dans la forêt. Franchement, c'est un kiff. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, j'adore. Et là, il me tarde vraiment de faire Brocéliande, qui est un peu le palier, le prochain palier que je veux faire. Ça et les Monts d'Arrée. Donc on espère vraiment pouvoir le faire prochainement. Je pense que je prendrai une semaine de vacances pour faire Brocéliande. Ne pas oublier, quand vous faites un camping sauvage, en été, pas de feu,
risque de canicule, d'ailleurs pas de feu du tout, comme ça voilà. Vous débrouillez, des réchauds à gaz, il y a des trucs, mangez froid au pire. Et surtout ramassez vos déchets, ramassez vos déchets. Laissez la nature telle que vous l'avez trouvée en arrivant. Que vous fassiez du camping ou pas. I'm so happy to be here. Yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage is gonna be required, but I'm just happy to be here.